Quel itinéraire de Willery avec tous les membres du MLC? Maintenant, on vient de me jeter des gaz lacrymogènes. Claudie. Oui. Arrache-toi. Kabila doit partir. Exactement. Parce que la démocratie n'est plus au Congo. J'exerce mon droit. Mes enfants, je mets en garde Kabila. Si un seul de mes enfants est touché, ou mon mari, ou les militants de mon parti, il ne va pas terminer son mandat. Mes enfants. Kabila est en train de tuer la population à Beni. Il ne veut pas que nous manifestons pour protéger la population de Beni. Maman, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'apporte là-bas? Bon, 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 bon. Maître, le pied, va te couper. Non, non, non. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Fais-lui bouger les pieds, regarde comment les pieds. Non, le téléphone, non, ça va. Non, non, attention, attention. Ok, essaye, ça va. Ok, je fais. Est-ce que vous pouvez me laisser quelque part pour l'admiration de mes enfants? Cassez-vous, cassez-vous. Cassez-vous. Cassez-vous tout le monde sur toi. Mes enfants. Calme-toi, calme-toi. Papa. Allez. Ils se sont cachés avec Willery. Voilà. Tu peux parler, j'enregistre. Je suis en train de parler. Je mets la communauté nationale et internationale à témoin. J'ai demandé l'autorisation de faire une marche pour le respect de la Constitution et pour la protection de nos populations à Beni. Et j'ai respecté la loi. L'inspecteur provincial Kanya m'avait dit: celui qui ne respecte pas la loi ne mérite pas respect. Personne. Moi, je respecte. Oh, les gars, la loi. Maintenant, je n'ai pas de respect. Mon parti n'a pas de respect. Alors, le président Kabila. Non, je voulais. Le président Kabila doit savoir que Kanyama a dit: celui qui ne respecte pas la loi ne mérite pas de respect. J'ai respecté l'itinéraire prévu par la ville. Avant même d'arriver au point de chute, on nous a lancé des gaz lacrymogènes. On a tiré à balles réelles. Je sais que je suis blessé au pied, mais je m'occupe de mon mari, je ne le vois pas, mes enfants, ainsi que certains d'autres militants. Et les cadres du parti. Et les cadres du parti. Ouais, attends, ouais, je voilà. Ne vois pas les cadres du parti. Okay. Je ne vois pas les cadres du parti. La résidence. Hein? Ça, c'est la preuve maintenant que le Congo, avec Kabila, est devenu un État voyou. Ça, c'est la preuve par neuf. Même pour les personnes qui respectent la loi. Ils n'ont aucun devant, prétexte. Devant, attention, Maboulou. Doucement, Maboulou. Je voudrais savoir où se trouvent mon mari, mes autres enfants et les cadres du parti, ainsi que les militants. Même les journalistes sont menacés. Ça, c'est très grave. On y va. Avancez. Continue. Tu es sûr que tes soeurs sont bonnes? Ils sont restés à Willery. Ils sont rentrés là avant d'arriver chez Stone. Bon, il est temps que je me présente à vous, puisque je ne me suis pas présenté. Je suis le patron d'un parti politique, MJC, mouvement de la jeunesse. Je suis le patron de la société Agence d'Espé. C'est une société, là, c'est moi. Je vis à Paris. On est là déjà. Voilà, je vis à Paris. Je suis venu là pour ce marché-là. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils pensent que, vous voyez, moi, dans Paris, je suis agréé, c'est mon travail. Ça, c'est ma société. Donc, j'ai voulu m'occuper de vous sans même parler qui je suis. Vous avez le danger. Moi, c'est mon métier. Donc, j'ai 211 hommes ici. Vous avez la preuve. Madame, vous inquiétez, maman. Kabamba. La preuve. Je voudrais m'adresser aussi à la diaspora. Évidemment, c'est moi la diaspora. Filmée. Pas à Paris. Voilà. C'est moi la diaspora. Paris, oui. Je suis pas la diaspora. En Belgique, États-Unis. Non. Tout droit. Afrique du Sud, ma résidence est ici, à Douala. C'est bon.
ban à Paris, ban à Belgique, Afrique du Sud, partout les cinq continents, Canada, ici à Bozali. Oui. Bomoni, Lelo, marche na sali na ju autorisation officielle. Le MLC avec les autres partis politiques. Tu respectes l'itinéraire. Mais là, comment que ça limite? Quand il y a Malobaki, celui qui ne respecte pas la loi ne mérite pas le respect. Aujourd'hui, Kabila n'a pas respecté la loi, il ne mérite aucun respect. Kabila doit partir. Ce qui est arrivé, c'est sur son ordre. Parce qu'il n'a même pas permis que ton coma n'a point de chute. N'est-ce que tu as dit? Pour ton petit amémo. On va à la résidence? Oui, voilà. Puisque vous l'avez, c'est bloqué. À la maison ou bien à la maison? La résidence, là. Je prends du monde. Sinon, là, on est un peu. Un okay. Tout est bloqué. Ils vont pas nous récupérer. Bon, attends. Bon, attends ici. Voilà. Bon, attends. Pas où l'avez. Avance. Bon, attends. Voilà, tout de suite, là. Attention, ma boule, attention. Avance. Avance, allez. Aujourd'hui, avance. Vous avez vu. Que Kabila ne mérite pas le respect. Il n'a même pas permis que nous arrivions au point de chute, tel qu'entendu, pour que nous donnions les mémos à M. Matata, qui est le chargé du gouvernement. Alors nous disons, comme Kabila a commencé ainsi, ça ne sert à rien qu'il termine même son mandat. De toutes les façons, dans notre pays, on n'a pas une jurisprudence d'un président qui aura terminé son mandat. Oh, descend. Descends.